Allez, d'abord ces questions, et on y répondra d'ailleurs tout à l'heure avec un invité. Comment et pourquoi un TGV qui roule à moins de 30 km/h peut dérailler ? Ah ben on se le demande, tiens. Et on se demande surtout comment et pourquoi les gens oublient si vite les règles de grammaire qu'ils apprennent à l'école. Ah oui, on se le demande. Tu te souviens ? L'interrogative. Interrogation directe et indirecte. Ça te dit quelque chose ? Attends, je te rafraîchis la mémoire. Interrogation directe. Qui, que, quel, quand, comment, pourquoi, où et est-ce que... Bref. Avec surtout inversion verbe-sujet. Exemple. Comment ce train a-t-il pu dérailler ? Voilà, t'as entendu. Comment ce train a-t-il pu dérailler ? A-t-il. Et pas... Pourquoi un TGV qui roule à moins de 30 km/h peut dérailler ? Et ce qui m'énerve, c'est que cette incorrection est de plus en plus courante. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi je te le demande ? Par simple paresse, si tu veux mon avis. Pour simplifier, pour gagner du temps, on fusionne l'interrogation directe et l'interrogation indirecte, hein. L'interrogation indirecte, c'est celle-ci. Eh bien, on se demande comment cet accident a pu arriver. Voilà, là, c'est correct, c'est indirect. Il y a une proposition principale avant, pas besoin d'inverser verbe et sujet. Tu dis pas, je comprends pas pourquoi ces cons-là mélangent-ils tout. Hein ? Non, tu le dis pas, ce serait ridicule. C'est une interrogation indirecte, donc tu dis, je comprends pas pourquoi ces cons mélangent tout. Mais si c'est une interrogation directe, tu devrais pas dire... Comment une vallée française est devenue une terre d'excellence dans le domaine des prothèses médicales ? Eh non ! Tu devrais dire, comment une vallée française est-elle devenue une terre d'excellence ? C'est pas beaucoup plus long, hein, et c'est beaucoup plus correct. De même qu'on dit pas... Pourquoi les Allemands sont arrivés dans ce village ? Non, on dit, pourquoi les Allemands sont-ils arrivés ? Et on dit pas non plus... Pourquoi les Français ont attaqué les premiers ? Mais on dit, pourquoi les Français ont-ils attaqué les premiers ? En revanche, tu peux aussi dire... Pourquoi cette bataille navale ? Voilà, là, il n'y a pas de verbe, tu fais ce que tu veux. C'est ok ? T'as compris ? Tu le retiendras ? Est-ce que je peux t'y donner ma langue ? Rock and roll music anyway.